Chingu, c'est Sam du blog samelidrama.fr. Alors aujourd'hui, vous me retrouvez en panda, tout simplement parce que vous me l'avez demandé en fait sur Twitter et je me suis dit que j'allais vous faire plaisir pour vous remercier pour mes 1000 abonnés. Donc voilà, j'ai l'air absolument ridicule, mais c'est trop marrant. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous remercier parce qu'on vient de dépasser la barre des 1000 abonnés. Alors pour moi, c'était vraiment quelque chose d'hyper important. Je voulais vraiment passer cette barre des 1000 abonnés parce que je trouve ça un petit peu symbolique. C'est un peu mon entrée à la maternelle de YouTube. Quand je me suis lancée le 2 juillet 2017, donc il y a à peu près 8 mois maintenant, je savais pas du tout si ça allait fonctionner. Moi, tout ce que je voulais, c'était vraiment partager avec vous mes passions. C'était vraiment donner tout ce que j'avais. C'était vraiment cette envie de parler avec vous, peut-être plus facilement que par le blog. Et ouais, je suis vraiment très contente de voir que mon travail, de voir que tout ce que je peux vous raconter peut vous intéresser, vu que maintenant on a dépassé la barre des 1000, donc vous êtes quand même 1000 à vous intéresser entre guillemets à ce que je peux dire, et je vous remercie parce que franchement ça me touche énormément. Je suis vraiment très contente de faire partie de cette communauté, on s'y sent vraiment bien, on partage tellement de choses, et ouais franchement j'espérais que ça arrive un jour, mais je savais pas si vraiment j'allais passer ce palier, et du coup voilà, je suis là aujourd'hui pour vous remercier parce que franchement ça me fait chaud au cœur, ça me touche vraiment beaucoup. Et j'espère qu'on va faire encore un peu de chemin ensemble, qu'on va pouvoir partager encore plus de choses, découvrir encore plus de choses. Et moi, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Sur Twitter, je vous ai demandé ce que vous voulez que je fasse pour la vidéo des 1000 abonnés. Donc, vous m'avez dit, me disant en panda, ça y est, voilà. Et on m'a proposé plusieurs choses. Il y a un truc que je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal. Est-ce que tu pourrais donner 10 raisons de regarder des dramas? Alors, j'en ai pas choisi 10. J'en ai choisi 5. Je me suis dit vraiment, c'est les 5 raisons les plus importantes. Les raisons pour lesquelles je regarde le drama et pour lesquelles je vous dis, mais punaise, mais si vous n'en regardez pas, mais allez-y, vraiment. La raison numéro 1, c'est découvrir une nouvelle culture. Alors oui, les dramas, c'est pas la réalité, c'est de la fiction, on est d'accord. Mais à travers les dramas, vous pouvez par exemple découvrir la langue coréenne, vous pouvez découvrir un petit peu du pays, vous pouvez découvrir les habitudes, les coutumes, vous pouvez découvrir l'histoire aussi avec les dramas historiques. Donc vraiment, c'est une ouverture vers un nouveau continent. Et pour moi, l'Asie, je m'y intéressais un tout petit peu avant de me lancer dans les dramas. J'aimais beaucoup l'alphabet japonais, mais ouais, c'est vraiment les dramas qui m'ont ouvert à ce continent, à ces pays qui maintenant me sont tellement chers. J'ai tellement envie d'aller en Corée du Sud, et ça, c'est grâce aux dramas. Donc merci les dramas. Ensuite, parce qu'il y en a des milliers à regarder, mais quand je vous dis des milliers, c'est qu'il y en a une quantité incroyable. Tous les ans, il y en a une centaine qui sort. Et franchement, enfin, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Et on en arrive au troisième point. La diversité, c'est incroyable. Vous pouvez regarder des comédies, des thrillers, vous pouvez regarder des dramas policiers, vous pouvez regarder des romances, vous pouvez regarder des dramas fantastiques, des dramas historiques. C'est incroyable. Il y en a forcément qui vous plairont. Il y en a forcément que vous aimerez, en fait. Il y en a une tellement grande quantité que vous allez forcément trouver la chose qui va vous dire, mais punaise, mais c'est génial. Ensuite, évidemment, ce sont les acteurs. Alors, les acteurs, parce qu'ils sont incroyablement talentueux, c'est une manière vraiment différente de jouer de nous en Occident. Les émotions sont plus exposées, on va dire. Mais franchement, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fan. Je trouve qu'on a vraiment des acteurs, mais d'un talent incroyable. Et on va pas se mentir, on a aussi des super canons. Hein, donc franchement, pour toutes ces raisons, voilà. Et enfin, en cinquième raison très importante, c'est les OST des dramas. Pour animer les dramas, pour vraiment faire passer les émotions, et j'utilise des chansons qui sont mais incroyables. Je ne compte même plus le nombre d'OST, donc je suis mais totalement fan, que je m'écoute encore aujourd'hui en boucle, même si j'ai fini les dramas. Et quand j'écoute ces OST, ça me replonge dedans, c'est incroyable. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo qui va sortir, je sais pas trop, enfin dans pas longtemps là, sur 10 OST de dramas à connaître absolument. Donc voilà, moi c'est vraiment 5 raisons pour lesquelles, oui, toi, si jamais tu regardes pas de drama, tu dois te lancer. Parce que franchement, tu passes à côté de quelque chose d'incroyable. Je rajouterais même en sixième point qu'on est une communauté vraiment formidable. Donc, ça fait un peu bizarre de dire ça en m'incluant dedans, mais je veux dire, c'est, je sais pas, c'est les gens les plus ouverts d'esprit que j'ai pu rencontrer pour le moment. C'est les gens vraiment passionnés, c'est des gens qui ont des choses à partager. On sent que c'est vraiment une communauté, comme on n'est pas nombreux, entre guillemets, que les dramas, tout le monde ne regarde pas, tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne s'y intéresse pas. On sent qu'entre nous, il y a vraiment une vraie amitié qui se crée tout de suite en fait. Tu regardes des dramas, ah moi aussi, oh super, on va être potes, on va pouvoir partager des choses et vraiment c'est assez incroyable. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie encore une fois d'être là avec moi parce que ça me fait vraiment très plaisir. Je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui grâce à vous. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salamier, popo, bye bye.